Voici Bing. Il participe à une manifestation pacifique avec des centaines d'autres personnes. Bing est arrêté. Un passant voit l'arrestation. Choqué, il contacte tout de suite Amnesty International. Amnesty International agit immédiatement. Une investigation est lancée, des témoins sont entendus. Les faits sont vérifiés. Nous sommes certains, il s'agit de Bing. Dans les 48 heures, Amnesty International organise une action urgente. Rapidement, le message se répand à travers le monde. Le téléphone de Julia reçoit un message. Mais pas seulement celui de Julia. Également celui de Juan, Nour, Victos, Moussa, Anna, Dominique, Georges, John, Aïcha, Carlo. Des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde reçoivent un message pour aider Bing. Ils peuvent agir par lettre, e-mail ou SMS. Les autorités sont submergées de milliers de protestations. Maintenant, elles savent que le monde les observe. C'est là que réside notre pouvoir. Parce que des personnes comme nous agissent sur une échelle massive, Bing est mieux traité et relâché plus tôt. Nous avons le pouvoir de libérer des personnes. Utilisez-le.